Bonjour, mon Gisèle, comment tu vas? Oui, je vais Comment super tu vas? bien. Nouveau marié. Oui, absolument. Oui. Avec la belle Josée, une belle journée, une belle célébration, puis après ça, des belles vacances. Alors, je reviens depuis à peu près 2 semaines là, au travail, donc Es-tu c'est bien. revenu dans ta tête ou bien c'est Oui, encore mais comme... ça m'a pris presque 2 semaines. à te remettre de ton mode de vacances? Oui. On a besoin, hein? On a besoin, hein? C'est comme si le beat, hein? On rentre dans un beat effréné, puis là, c'est comme le calme arrive, puis là, c'est oh non, faut que je reparte un peu ce beat-là. C'est-tu comme ça que tu Oui, te sentais? absolument. Je Oui. me sentais comme un chauve là 2 semaines. Là, je me sens comme un puma. C'est moins pire. Ouais, je vois ça, le chandail, puis moi. Ah, ben bienvenue, Gisèle. Merci d'être là ce matin. Écoute, le septième ciel pour toi, c'est... Écoute, tu veux être là. À chaque fois, je te demande, Oui. te rembarques-tu dans l'aventure? Tu fais, oui, Oui, je suis là! absolument. Ben, ça ben, pour plein de raisons, tu sais, on se connaît, ça fait un bout de temps, tu sais, on a un lien, on a une relation qui est importante pour chacun d'entre nous. Puis l'autre affaire, c'est que le septième ciel, pour moi, ça représente l'occasion de donner à un endroit qui en a vraiment besoin. Moi, j'accompagne dans la vie de tous les jours, tu sais, des leaders. Mais pas des leaders comme on a l'habitude de les entendre ou de les comprendre. C'est-à-dire, pour plusieurs, les leaders, ça a un lien avec des leaders en entreprise, des patrons, des boss, des gestionnaires. Moi, j'accompagne des leaders, des hommes, des femmes qui ont envie de faire une différence dans leur communauté, dans leur écosystème, dans leur famille, dans leur équipe, dans leur environnement. Et en ce sens-là, mais c'est pour ça que je suis là, parce que c'est l'occasion d'accompagner des femmes, des hommes dans la relation amoureuse pour les amener à voir ça autrement. Et ben, c'est pour ça que je suis là à chaque fois, puis que je ressens cette invitation à chaque fois, cet élan du cœur de dire oui, je suis là avec toi, puis je vais marcher cette route-là avec vous, parce que c'est l'occasion pour José et moi aussi de poursuivre la route. Oui, tout le temps. Hein. Oui. Écoute, quand on fait de l'intervention auprès des gens, moi, j'ai toujours dit, on marche le chemin en même temps. On n'est C'est jamais ça. parvenu, on n'est jamais rendu à destination, on marche toujours ce chemin-là. Et quand on le fait ensemble, on grandit ensemble. On est leader, comme tu dis, parce qu'on montre le chemin. On est le premier loup qui marche en avant et qui ouvre la trail, mais en même temps, on marche tout le monde ce chemin-là en même temps. Puis ça, je Absolument. pense que c'est important Ouais. de le mentionner et de garder cette humilité d'ailleurs que tu as et que tu démontres tellement bien pendant les interventions. Moi, en tout cas, je ne pouvais pas voir le septième ciel sans avoir ton énergie dedans parce que j'ai repensé, hein, j'ai refondu complètement le septième ciel cette année avec tout ce qui s'est passé dans les dernières années, les derniers mois. Tu sais, j'allais faire Sundance, j'allais faire Moondance, j'ai tellement marché là, mon chemin rouge à fond, je suis pas à la même place. Tu sais, fait que pour moi, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées et je me suis dit, je ne peux pas faire le septième ciel et ne plus mettre qui je suis, de mettre ça à jour, tu sais, à quelque part là-dedans. Et je trouvais que dans les richesses des enseignements autochtones, j'ai eu la chance de recevoir les enseignements ancestraux. Il y a tellement de simplicité, tu sais, de douceur. Et je me dis, mon Dieu, c'est ça qu'on a besoin aussi dans le septième ciel. Ça fait que je dis, oh, je repars. On repart de scratch. Puis tu disais tantôt que tu aimes ça parce que tu accompagnes les couples et tout ça. Puis c'est curieux parce qu'on a commencé le septième ciel avec l'approche de couple. On a commencé avec des couples. Et depuis, c'est beaucoup des célibataires. T'sais, on est comme dans le couple, mais célibataire. Mais c'est la réalité du Québec aujourd'hui. Hein? C'est la réalité de ce qu'on vit ici, c'est qu'il y a beaucoup de couples qui se font, qui se défont, qui se font, qui se défont. On est en couple, on est tout seul. On est tout seul, on est en couple temporaire ou on forme des nouveaux couples. Ou, c'est, fait qu'on est, c'est plus une question de formation de couple, c'est formation d'individus Ouais. pour relation.
Ben oui, puis en même temps, ça représente bien aussi ce que j'observe de mon côté, c'est que l'humain traditionnel a tendance à s'arrêter dans les moments de grande noirceur, tu sais. Puis, ben en tout cas, moi, ça correspond bien à mon histoire, de ce que je connais de toi aussi, tu sais. Dans les dernières années, je suis davantage intentionnel dans la route que j'emprunte et le continuum que je poursuis. Mais pendant une grande partie de ma vie, Chantal, je m'arrêtais et je me remettais en question quand ça faisait vraiment mal. Donc, je ne suis pas vraiment surpris d'entendre ce qui est là. Quand j'étais plus actif auprès des couples, plus actif auprès des célibataires, tu sais. Et je les invitais à remettre en question leur projet amoureux parce que le projet amoureux, c'est pas le projet que j'ai sur l'autre. Le projet amoureux, c'est pas tomber en amour avec le potentiel amoureux. Le projet amoureux, c'est qu'est-ce que j'ai envie d'y vivre, qu'est-ce que je ne veux plus vivre et quelles sont les valeurs, quelles sont les émotions, quels sont les besoins que j'ai envie d'y combler. Sortir de cette fusion, dans le fond. Oui, exactement. Puis aujourd'hui, j'ai ces conversations-là avec José. Mais ça n'a pas toujours été ça, ma route. Ma route, ça a souvent été de me fondre dans l'autre, de m'adapter, de me suradapter et de réaliser qu'en cours de route, tabarouette, je suis encore devenu l'autre, accro à son regard, accro à ses autorisations et réaliser en cours de route, Chantal, que je ne peux être en relation qu'à partir du moment où je suis en relation avec mon propre autorité intérieure, c'est-à-dire qui je suis vraiment, ce qui me rend heureux, ce qui me permet d'être bien dans ma peau, etc. Et je n'ai pas la prétention d'être rendu, j'ai la prétention de découvrir un peu plus chaque jour à travers les bons, les moins bons moments de ma relation avec moi-même, avec Joe, avec mes amis, que finalement, j'ai encore des croûtes à manger puis des choses à clarifier. C'est de l'apprentissage qui goûte bon quand même. Ouais. Quand tu prends ce pouvoir-là sur toi, tu réalises que c'est pas parce que tu l'as marché une fois que tu fais comme « OK, parfait, c'est réglé, c'est un je le sais, puis tu sais, jackpot. » Non, c'est pas même que ça marche, on le comprend tous, on passe tout dedans. Je vois ça un peu comme si il y avait beaucoup d'angles, un peu comme un diamant, et je dois raffiner chacun des angles de ce diamant-là. Et que là, j'ai comme, OK, j'ai fait cette couche-là, j'ai réussi à me récupérer dans cette partie-là, dans ma relation avec mon couple, sans rentrer dans cette fusion. T'sais. Là, à un moment donné, je sens que je coule dans un autre côté. Puis là, je m'observe, puis là, je vois que non, il y a quelque chose, faut que je me récupère dans cet angle-là aussi. Là. Fait qu'on, on va tout finir par les passer, les angles à quelque part. Fait que c'est du réajustement constant. Et c'est OK. Là où c'est souffrant, c'est quand on a cette impression de ne pas avoir de pouvoir. Et c'est là où on invite les gens au septième ciel, parce que ouais. Quand tu es dans le septième ciel, ben, tu répètes l'expérience continuellement, puis tu as toujours accès à cette formation-là tout le temps. T'sais. Puis ouais. Ça, c'est le point d'honneur que moi, j'ai voulu offrir avec le septième ciel, c'est dire que c'est jamais fini. Tu n'es pas là dans un abonnement à vie, tu t'inscris, ben, tu fais partie de la gang, puis on va s'entraider tout le monde ensemble, puis c'est une aventure qui continue. T'sais. Fait que tu connais mon monde, tu connais mes anciennes cohortes, ils reviennent te voir. Des fois, écoute, quand ils savent, c'est Ghislain qui est là, je vais être là. C'est tellement cute de voir ça. Puis les gens t'ont affectionné tout de suite parce que la communication. Moi, si on m'avait dit à l'époque, il faudrait se prendre un cours de communication ou que tu apprennes à communiquer, plate, ça. C'est plate, ça. C'est tellement vrai. Tu dis, what the fun? C'est quoi le fun en entour de ça? T'sais? Mais, my God, on a tellement de plaisir quand tu es là. C'est tellement agréable, c'est tellement profond en même temps. Ça vient nous chercher. Puis tu sais, ça te sort comme ça.
une énergie toute en humour, toute en douceur, mais qui te rentre dedans. Tu sais, Ouais. j'adore ça, j'adore ça. J'adore ta façon d'être, j'adore ta façon de procéder, le souci que tu as des autres aussi, à travers ça, dans la façon que tu l'approches. Ben écoute, merci, ça m'émeut de t'entendre parler de moi de cette façon-là. Un des enjeux que j'ai actuellement, c'est justement d'être capable d'accueillir mes ondes de génie, tu sais, puis la reconnaissance que les gens ont. J'ai un bon ami à moi qui est en train de m'aider à refaire le design de ma business et qui me disait, Ghislain, je veux t'accompagner. Puis je lui ai dit, ben OK, mais je te dois combien? Tu sais, je dis, comme, j'aimerais ça savoir dans quoi je m'embarque. Et là, il m'a dit, à la blague, Chantal, il dit, tiens, ça, c'est le gars qui est habitué de donner puis qui a de la misère à recevoir. Tu sais. Fait que je reçois ça avec, beaucoup de gratitude, puis en même temps, une part de moi qui se dit, mon Dieu, est-ce que je mérite tout ça? Tu sais? Et en même temps, je me reconnais dans ce que tu dis. T'sais, pour moi, la communication, Chantal, c'est pas une mécanique. C'est pas une recette. Je suis pas un grand fan de recettes. Souvent, je vais partager des trucs en disant plusieurs fois, écoute, ça fonctionne pour moi. Essaie de voir si ça fonctionne pour toi. En cours de route, j'en suis arrivé à une place dans ma vie où je sais que je sais pas. C'est ça qui est puissant. Et oui, et j'essaie de garder, et j'y arrive pas tout le temps, mais j'essaie de garder une grande humilité dans mes enseignements parce que je sais qu'à chaque fois que je me fais poser une question ou que je partage quelque chose, le premier apprenant, le premier étudiant, c'est moi. C'est un rappel à moi-même de rester humble, de prendre la vie avec légèreté, d'être dans la curiosité, dans les options. Puis c'est ce que j'amène, tu sais, je veux dire, je m'amène au groupe avec... cette année, on va avoir des thématiques, c'est nouveau, parce qu'habituellement, on n'arrive pas de thématiques et en fait, la thématique émerge. C'est ce que je trouve beau, c'est qu'après avoir écouté quelques personnes, il y a une thématique qui émerge et on travaille avec celle-ci. Cette année, on va avoir cette fois-ci, on va avoir des thématiques, mais on va s'amuser avec ça. Pour moi, c'est important. La communication, elle se passe d'abord dans l'intention. J'ai vu des gens appliquer une recette de façon magistrale et créer le chaos. Et j'en ai vu d'autres ne pas connaître la recette, mais partir du bon endroit à l'intérieur et créer de la magie. Donc, la recette, OK, mais le lieu d'où tu pars, c'est plus important. C'est de le trouver, ce lieu-là aussi. C'est d'essayer de l'habiter. Et comme les enfants, comme les animaux, comme l'observation nous le montre, on apprend tellement plus par l'observation, par le non-verbal, que ce qui est dit. Puis là, on parle de communication, mais il y a différents types de communication, dans le fond. C'est ce que tu nous montres, ce que tu nous enseignes à travers le septième ciel, c'est quelque chose que tu portes. C'est quelque chose qui t'habite. Et dans cette humilité-là, ça nous permet, puis c'est drôle parce que le premier thème de la première semaine, on est dans l'humilité, justement. Je trouvais tellement que ça fitait, là, ça concordait. Puis c'est drôle parce que ça s'est adonné comme ça. Parce que moi, mes thèmes étaient déjà choisis. Et puis quand tu me dis, j'ai casé, puis là, ça fait waouh! Oh wow! Tellement! Après ça, toi, tu reviens pour le courage, puis tu reviens à la fin pour l'amour. Ouais. Fait que je trouvais que ça cadre très, très bien. Ouais, c'est intéressant. Puis, tu sais, quand je regardais ces thèmes-là, tu sais, c'est comme. Il y a vraiment un lien, tu sais. Ouais, c'est les sept grands-pères. C'est l'enseignement autochtone des sept grands-pères. C'est magique parce qu'il y a un lien profond entre l'humilité et le courage. Oui. Il y a un lien profond entre l'humilité, le courage et. L'honnêteté. Et l'amour. Oui. Et l'honnêteté, etc. Et ce que je trouve intéressant à travers les enseignements que tu proposes, c'est dans le fond, c'est je me revisite moi comme humain, tu sais. Parce qu'à partir du moment où je suis en paix avec ce que je suis,
ben je peux apprendre à honorer ça dans ma relation avec les autres. Puis quand je suis en paix avec ce que je suis, je peux l'honorer avec les autres, mais je peux laisser les autres être en paix avec ce qu'ils sont et honorer qui ils sont en relation avec moi. Et là, tout ça, ça crée une synergie, un système dans lequel, finalement, c'est des vases communicants, puis tout bouge constamment, tout s'adapte. Ce qui est vrai maintenant, il ne sera pas dans quelques instants. Je te fais une demande, Claire, tu me dis oui dans 30 secondes, ça ne te tente plus. C'est possible aussi. Je veux dire, c'est aussi ça la vie, tu sais. Donc, et sortir d'un paquet de paradigmes dictés par une société patriarcale qui nous a appris le blâme, la culpabilité, la comparaison, la domination, la soumission, bref, des jeux relationnels qui ne servent absolument à rien d'autre que de créer du résiduel, tu sais. Si en relation avec toi, j'ai des résidus qui sont là, bien, ça goûte mauvais. Et à un moment donné, à force d'avoir des résidus, bien, j'ai la voix qui est rauque, puis j'ai des chats dans la gorge, puis j'ai des inconforts, puis j'ai des malaises. Puis... Ces résidus-là que tu parles, est-ce que ça ne s'appellerait pas du non-dit, justement? Du non-dit, des agressions ou des micro-agressions, des fois, c'est des non-dits inconscients aussi. Tu sais, ça... Tout à fait. J'ai eu une situation avec José samedi dernier. Tu sais, un mois qu'on est mariés puis on s'accroche. Tu sais. Et la prise de conscience qu'on a faite tous les deux après que c'est brassé quelques instants, ça a été, mais mon Dieu, on est embarqué dans un processus automatique sans même qu'on s'en rende compte. Parce que un des grands ennemis des relations, c'est le mode automatique. Ben oui. Est-ce que je suis dans la conscience? Est-ce que je suis dans la non-conscience? C'est-à-dire que c'est le contexte, c'est le système, c'est mes vieux paradigmes qui me mènent. Et ben moi, je me suis retrouvé là-dedans, José s'est retrouvé là-dedans. Mais cette espèce d'éclaboussement-là qui s'est créé est devenu un cadeau parce qu'on a choisi d'en faire un cadeau, tu sais. Et c'est là que quand quelque chose arrive, je peux continuer à jouer le triangle dramatique ou je peux passer en mode conscience et dire, OK, comment, tu parlais de pouvoir tantôt, comment je récupère mon pouvoir? Et comment je le récupère, Chantal, d'une façon où toi, ça ne nuira pas au tien? Parce qu'il y a le pouvoir que j'exerce sur toi. Il y a le pouvoir que tu exerces sur moi. Mais il y a aussi le pouvoir qu'on peut exercer ensemble. Et quand je monte dans mon pouvoir, de cette façon-là, tu montes dans ton pouvoir aussi. Parce que ce n'est pas moi qui t'impose quelque chose, c'est que je te nomme quelque chose d'important pour moi et j'ai envie de t'accueillir dans qu'est-ce qui est là pour toi. Et là, on est dans de la co-construction, on est dans de la co-sécurité, on est de la co-responsabilité. Et là, on est complètement ailleurs. Et là, je sens que je suis complètement parti. Oui, la communication, ça me fait ça. Oui, mais on le sent que tu es passionné. Tu sais, on le sent que vraiment, là, c'est quelque chose qui t'habite. Puis c'est tellement, ça fait tellement du bien de t'entendre, tellement du bien de te sentir aussi dans cet espace-là, passionné. Parce que oui, écoute, on vit tous ça, tu sais. On est tous embarqués là-dedans. Puis comme je disais tantôt, que toi, t'habites cet espace de vulnérabilité, tu sais, à te montrer dans justement, je viens de m'accrocher, tu sais, j'ai réalisé que je suis dans ça, tu sais. Ça fait comme waouh, tu sais, même le spécialiste de la communication bienveillante est capable d'être dans cet espace-là. Tu sais, ça nous aide chacun à s'accueillir, à retourner dans cet espace d'humilité, de vulnérabilité, puis de retoucher à de redescendre, tu sais, de sortir de l'ego, puis redescendre dans le cœur, parce que c'est là où on se rejoint. Tu sais, ici, il n'y a pas d'espace pour personne d'autre.
Ouais. L'ego prend toute la place. Là. Et, tandis que quand tu descends dans le cœur, ben là, ça, c'est la connexion. C'est vraiment Absolument. La vraie connexion. Puis c'est là où on peut vraiment communiquer de façon authentique. Sinon, c'est du blabla. On fait du bruit. Tu sais. Et ça, je pars chez nous. Par le chemin rouge, c'est caractérisé par le bâton de la parole. Tu sais. Ça, je trouve ça tellement beau. Tu sais, le bâton de la parole, il dit lorsque tu as le privilège d'avoir le bâton de la parole dans les mains, ce n'est pas pour faire du bruit. C'est pour te dire. Exactement. Pour dire ce qui t'habite. C'est dire ce qui est à l'intérieur de toi. Donc, c'est exister. Tu sais, c'est pas wow, c'est pas peu banal. Puis c'est drôle de voir, mais c'est drôle. C'est fascinant de voir que quand on fait un cercle, tu sais, puis qu'on utilise le bâton de la parole, très souvent, l'émotion est présente. Juste à toucher ce bâton-là, à sentir, c'est comme le privilège de dire, mon Dieu, j'ai le droit à mon espace, même si je dis rien, j'ai d'exister, tu sais. Absolument. Ben, c'est très émotif pour beaucoup de personnes. Oui, puis les systèmes dans lesquels on évolue, tu sais, les familles, les liens d'amitié, le travail, etc. Quand on regarde ça, le but, ce n'est pas de décrier, mais c'est d'amener de la conscience. C'est comment, dans ces systèmes-là, on n'offre pas beaucoup d'espace à la connexion, à l'accueil, à la compassion, à la bienveillance. Et au fait que c'est une opportunité d'honorer la parole, comme c'est une opportunité d'honorer l'écoute, le silence. Et quand je débarque dans une dynamique quelconque, que ce soit en entreprise ou avec des individus ou avec des familles, une des premières choses que j'instaure, c'est justement l'espèce de rituel autour de la parole, tu sais, et de l'écoute, parce que le cercle de parole induit justement qu'une personne va parler puis que les autres vont être disponibles, présents. Et c'est quelque chose qui se perd. Tu le sais, dans ma communauté, c'est quelque chose qu'on pratique, ce qu'on appelle le dialogue authentique. C'est super important pour nous. On l'introduit partout. On l'introduit même en organisation. On l'introduit dans toutes les interventions qu'on fait. Et ça transforme sans même qu'on ait enseigné quoi que ce soit. Donc oui, le bâton de parole, c'est une symbolique très grande et on va justement l'utiliser comme symbolique dans les moments où on sera, où je serai avec ta communauté. Et on aura assurément aussi beaucoup de plaisir. C'est certain, j'ai aucun doute là-dessus. Si tu avais à inviter les gens au 7e ciel, qu'est-ce que tu leur dirais parce que tu nous connais, tu sais, tu as vécu l'expérience là, depuis le début, là, ça fait je ne sais plus combien d'années. Là. Je ne sais plus, ça fait combien de temps, il faudrait que je sorte les dates, j'ai aucune idée de quand est-ce qu'on a commencé ça. Mais tu es là depuis le début, depuis la première cohorte, et tu es resté tout ce temps-là, tu n'as pas manqué une. Fait que toi qui connais l'expérience, qui a vu les gens, qui a vu les transformations, parce d'une cohorte à l'autre, tu vois le mouvement, tu vois la transformation des gens, tu vois la reprise de pouvoir, tu vois la perception, le langage qui change, et tout ça. Qu'est-ce que tu serais tenté de dire aux gens? Tu sais, moi, je suis tellement dedans, on dirait que je ne vois plus clair. Tu sais, fait que c'est le temps d'avoir des regards extérieurs des fois. Ah, c'est tellement une bonne question. En fait, quand je regarde notre communauté, tu sais, notre société actuellement, ce que je vois, c'est des gens essoufflés. Ce que je vois, c'est des gens irrités. Ce que je vois, c'est des gens frustrés. Ce que je vois, c'est des gens qui sont à la recherche de sens, à la recherche de reconnaissance, à la recherche de quelque chose de vrai, de senti. Et je pense que le 7e ciel, ce que tu offres dans ton parcours, Chantal, et c'est là que toi et moi, on connecte vraiment, c'est que ce qu'on souhaite, c'est amener les gens à trouver leur propre réponse. C'est vrai, être un bon citoyen, être un bon parent, être un bon amoureux, être un bon ami, c'est de soucier de l'autre. Mais à un moment donné, quand c'est ça qui prédispose tout le temps, qui est toujours en avant,
ben je finis par me perdre. Puis être en relation, pour moi, c'est la douce tension entre être pleinement soi puis être en lien avec l'autre. Et si je ne peux pas être conscient de cette douce tension, ça veut dire que je suis soit chez moi ou soit chez l'autre. Et quand je suis juste chez l'un ou l'autre, ben, je ne suis plus en relation avec rien. Je ne suis plus en relation avec le monde extérieur, je ne suis plus en relation avec moi, je ne suis plus en relation avec ce qui est vivant. Donc, le septième ciel, c'est l'occasion de rétablir la connexion à soi, le lien à soi, et d'avancer dans la vie, dans sa propre vie, en fonction de ses propres paramètres. Pas d'une façon égoïste, mais tourner vers soi d'abord, dans le but de prendre soin des autres d'une façon plus adéquate ensuite. C'est ça que je vois du septième ciel. Et en ce sens-là, si tu cherches des réponses à une foule de questions, pourquoi arrêter le bruit externe? Pourquoi pas arrêter le bruit externe et connecter à ton bruit interne? Parce que derrière ce bruit interne-là, toutes les réponses y sont. Exactement. Exactement. Puis on a tellement d'outils dans le septième ciel. On peut le faire tout à fait de façon autodidacte, mais en même temps, on a besoin d'avoir ce contact humain. On a besoin d'avoir ce contact avec une personne. En tout cas, moi, c'est là pour moi. Si je l'ai bâti comme ça, c'est parce que j'ai bâti une formation que moi, j'aurais aimé avoir. Mm-hmm. Que moi, qui répondais à mon besoin, à moi, et que je trouvais que ça aurait été le plus aidant dans mon chemin à moi. T'sais. Et ce l'est d'ailleurs aussi. Mais je vois que ça fait de l'impact, tu sais, puis que ça a cette répercussion-là quand tu es prête à t'investir dans un changement dans ta vie. Tu sais, faut que tu sois prête aussi à passer ce cap-là. Tu sais, parce que t'as beau dire, puis d'être la victime de tout ce qui se passe alentour de toi, si tu n'es pas prête à changer ce qu'il faut pour aller bien, et pour que ça change dans ta vie, ben, à faire toujours les mêmes gestes, il n'y a pas grand résultat différent. Oui. Ben, tu sais, c'est ça, dans le fond. Est-ce que... T'sais, moi, j'ai une croyance, c'est que si tu n'es pas prêt à changer, c'est que tu n'as pas assez souffert. Exactement. Exactement. Et exactement. Cette croyance-là, évidemment, elle n'est pas obligée d'être vraie. T'sais, c'est-à-dire que la peine est normal, en guillemets, c'est-à-dire que c'est quelque chose de normal dans la vie de tous les jours, mais la souffrance, elle est optionnelle. C'est Tony Robbins qui dit ça, tu sais. Puis la souffrance, ça vient de toute la résistance, tu sais. Ouais. Puis la résistance, c'est, imaginons une ligne verticale, horizontale, pardon. Bien, en dessous de cette ligne-là, c'est justement le mode de la résistance, c'est le mode du blâme, c'est le mode où finalement, pour être heureux, le contexte doit changer. Pour que moi, je sois bien en relation avec toi, c'est toi qu'il faut que je change. Puis quand tu vas changer, Chantal, bien moi, je vais me sentir bien pendant quelques instants. Parce qu'après ça, tu vas devoir changer encore pour que je continue à me sentir bien. Et là, ça, c'est le jeu. C'est la game en mauvais québécois. C'est le jeu du masque. En bas de la ligne. C'est ça. Donc, il y a des masques, il y a les triangles dramatiques. Et en fait, dans ça, je suis sur le pilote automatique. Alors, si tu as envie de rester là, bien, assurément, le septième ciel, ce n'est pas ta place. Ça se pourrait que tu sois challengé avec plein d'amour. Parce que le bonheur, la croissance, elle ne se passe pas là, elle se passe en haut de la ligne. Elle se passe dans cet espace de curiosité, de prise de risque, de collectivité, de compassion, d'expérimentation, mais dans un mode où j'expérimente pas pour prouver que je suis bon, pas pour démontrer quoi que ce soit, mais j'expérimente pour mesurer mon niveau de maîtrise et de voir, ah tiens, samedi dernier, José et moi, on a mesuré notre niveau de maîtrise dans une facette particulière de notre relation. Et à un moment donné, on s'est mis à rire, on s'est dit, ouais, on a encore du chemin à faire.
Alors, pendant qu'on s'accrochait, on était en bas de la ligne, puis pendant qu'on en riait, puis qu'on tirait nos conclusions, on était en haut de la ligne. Alors, cette envie d'être en haut de la ligne, parfois en bas, parfois en haut, de recevoir des enseignements, d'être dans une communauté qui va t'accompagner, bien, septième ciel, c'est la place où être, à mon avis. Bien, merci. Merci d'être avec nous. Merci pour ces beaux mots. Vous vous reconnaissez là-dedans. Bien, on vous invite. Il ne vous reste pas grand temps. On est le 13. Il vous reste une journée des poussières. Une journée et demie pour vous inscrire. Alors, sur ce, on va inviter les gens à s'inscrire le plus rapidement possible. Et on se retrouve, nous, très, très, très bientôt dans cette belle aventure. Absolument. On va parler bientôt d'humilité. On parlait bientôt d'humilité, voilà. C'est ça. Super. Sur ce, je vais mettre le lien en dessous, sous la vidéo, pour vous inscrire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter. Et puis, on se revoit très, très, très bientôt dans cette belle aventure. Fait que sur ça, salut tout le monde. Au plaisir de vous croiser. Oui, bye, bye, bye.